Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Alex Kid. On se retrouve sur du Grounded et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une sorte de parachute. Alors le sorte de parachute, déjà c'est tout simplement une fleur, hein. Une fleur que vous allez pouvoir récolter et ensuite vous équiper pour pouvoir éviter tout ce qui est dégâts de chute, surtout quand vous sautez de très très haut. Alors je vais vous faire un petit exemple concret parce que je me suis construit une petite base en hauteur d'ailleurs avec une très belle visibilité, hein, je tiens à le dire. Donc là quand on saute par exemple, bon, on va sauter sur vraiment sur une grosse hauteur. Alors déjà il faut avoir le dandelion dans les mains déjà, hein. Dandelion c'est donc ceci là. Donc du dandelion stuffed, tuft exactement. Donc c'est une sorte de petite fleur à pétales que tout le monde s'éclate dans la vraie vie à souffler dessus et ça en envoie partout. Donc nous on va récupérer cette fleur et on va se l'équiper. Donc on va la mettre par exemple, je sais pas, dans l'exemple on va la mettre là. Et ensuite vous allez la sélectionner dans votre inventaire, prête à l'usage. Et vous allez vous apercevoir à droite de votre écran. Donc là vous le voyez pas sur l'écran, attendez je m'écarte un petit peu, voilà. Là vous le voyez juste à côté de ma tête, là juste en dessous ici là. Vous avez justement la touche du dandelion que vous allez pouvoir utiliser. Et quand vous allez toucher cette touche et que vous serez en hauteur, ça marchera comme un parachute. Dans l'exemple, moi ici c'est une étoile, donc là je vais sauter et vous allez voir que le dandelion va avoir son utilité. Donc c'est parti. Et là hop là, vous voyez, ça amortit ma chute. Alors vous maintenez bien sûr la touche. Donc là ça peut durer très longtemps, hein. Vous voyez que le hang time, c'est à dire le temps de hop, peut durer très longtemps. Alors sachant que vous, à chaque fois que vous l'utilisez, vous l'usez, hein, bien entendu. Plus l'usage, plus vous en faites un usage, plus vous usez l'équipement. Donc là on va continuer, on va réessayer encore. C'est parti. Voilà. Et donc vous pouvez aller très très loin avec, avec ça, hein. Ça fonctionne vraiment comme un parachute. Et ça vous envoie, vous pouvez vraiment voilà, gagner du temps. Imaginons que vous êtes sur une récolte, donc après il vous suffit d'appuyer pour la désactiver. L'avantage que ça... J'aurais pu entendre un bruit là. L'avantage que ça va avoir les amis, c'est que grâce à ceci, vous allez pouvoir par exemple, si vous faites de la construction, descendre rapidement comme ceci. Pour ensuite remonter avec vos outils, c'est le côté pratique, c'est le côté pratique vraiment. Donc là je vais vous montrer mais comment récolter. Donc déjà il faut savoir repérer un petit peu où sont les dandelions. Là par exemple on en a un, on va aller tout de suite le casser et vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Là vous voyez qu'il y en a plein là au bout là. Donc on va casser la tige. Donc c'est marqué dandelion, généralement quand vous cherchez ces fleurs vous tapez dessus comme ceci et voilà, et elle va tomber. Elle va se casser et là vous allez voir que au bout vous avez des petites pétales que vous allez pouvoir récupérer comme ceci. Voilà, donc là on en avait trois normalement par feuille, c'est souvent comme ça. Pensez à prendre ces bois là aussi, hein, qui est du très bon bois aussi qui vous sera très utile. Enfin c'est pas des bois, c'est du tige, c'est des tiges, mais bon, dans l'idée c'est que c'est très utile pour votre base, donc pensez bien à les récupérer en même temps. Donc là vous voyez que dans mon inventaire j'en ai récupéré plusieurs, donc ça sera utile si par exemple vous partez en expédition, il y a besoin de prendre de la hauteur et vous voulez gagner du temps et sauter sans forcément avoir des dégâts de chute, vous avez ça, c'est très pratique et ça vous permettra de fonctionner comme un système de parachute et c'est pas négligeable d'avoir ça dans les mains. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aidera dans l'aventure aussi parce que c'est bien de savoir qu'on peut avoir un parachute dans ce jeu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto les amis. Ciao kiss, salut salut.